Souvent, nous les magiciens, on a l'habitude de dire que les cartes les plus souvent nommées, ça va être effectivement une dame de cœur si on demande ça à la gente féminine, ou alors l'as de pique, ou le roi de carreau revient souvent, le 7 de trèfle revient souvent aussi, ben c'est complètement faux. C'est-à-dire que je ne l'ai pas amené ici, j'aurais bien aimé l'amener parce que ça va très bien avec ce que je vais vous faire là, mais j'ai un carnet de cartes où j'ai répertorié Pour tout, demain. chaque fois que je peux, ouais, pour de bon, chaque fois que je peux demander une carte à jouer, mais comme ça, dites-moi votre carte préférée qui vous passe par la tête, je m'en rappelle, je ne note pas tout de suite, mais je le note. J'ai un bloc de, donc il n'est pas fini, hein, même 17 ans, j'écris sur pas une carte sur chaque page. Hein. Je dois avoir un bloc comme ça d'écrit avec toutes les cartes, et je me suis amusé à compter. Non, mais c'était pour savoir, parce que j'étais parti sur des tours Alors? de mentalisme. Alors? Eh ben, je ne te dirai pas, on va faire là. Et donc, je me suis aperçu qu'il y a effectivement donc, il y a un gros panel de cartes qui revient, qui est effectivement la dame de cœur, mais il y a aussi d'autres choses. Et du coup, j'ai fait une petite expérience. Non, alors pas le Joker, non, le Joker ne revient pas. J'ai fait une petite expérience. J'ai mis sur ce jeu de cartes, 52 cartes, 52 nombres, y compris le 0. Sur chaque carte, en fait, j'ai placé des nombres. Alors, je vous les montre rapidement pour éviter que vous vous souveniez de quel nombre correspond à quelle carte. Autrement, il n'y aurait aucun intérêt pour la routine, parce que si vous connaissez. Mais donc, je vais quand même les montrer rapidement. Ben, je vais vous les montrer comme ça, excuse-moi Thierry. Donc, j'ai mis sur toutes les cartes, de 1 à 52, y compris le 0, tous les chiffres, de 1 jusqu'à 52, tout simplement. Donc tous les nombres sont différents. Donc de 1 jusqu'à 52, je vais pas tous le. Voilà, 52 elle est là. Je vais pas tous les montrer. Et bien sûr, toutes les cartes sont différentes, autrement, il n'y aurait aucun intérêt. D'accord? Et l'idée est la suivante. Je vais laisser le jeu ici. Alors j'espère que vous n'avez pas trop mémorisé quelle carte correspond à quel nombre. Mais dans un jeu de cartes, il y a quatre familles. Il y a les piques, les cœurs, les trèfles et les carreaux. Donc on va commencer par toi, Michel. Tu vas me nommer une carte au hasard, sauf le joker. Le 10 de pique. Le 10 de pique, très bien. Dis-moi quelqu'un d'autre dans l'assemblée qui est ici. Allez, je vous mets. Le 6 de trèfle. Le 6 de trèfle. Garde-le en tête, hein. Moi je ne les retiens pas. Merci. Zoumette, Merci. nomme-moi quelqu'un encore dans l'assemblée, on va faire encore une personne. Il en faut trois. Non, attends, attends. Thierry, toi. Le 8 de trèfle. Alors, il faut pas, il y a deux trèfles. Ouais, bah change si tu veux, allez, c'est pareil, de toute façon. Voilà, mais bon, change, allez. 8 de carreau. Alors, je m'en rappelle plus. 10 de pique. Tu retiens 10 de pique. 6. 8 de. Non. 8 de carreau. 8 de carreau. 6 de trèfle. Et 6 de trèfle. Vous les retenez? On va commencer par la tienne. 6 de trèfle. Claude. Ah oui. 10 de pique. 10 de pique et 8 de carreau. 8 de carreau. Je m'en rappelle jamais. 10 de pique. Non. Ça y ressemble, mais c'est pas ça. De pique, 8 de carreau, 6 de trèfle. Vous pouvez changer, mais ça m'arrange pas. Non, s'il y en a qui veulent changer, on peut changer. Imaginez, d'ailleurs, vous m'avez pas nommé une carte à. Tu aurais pu prendre du cœur, mais bon, tu as préféré prendre du pique. Tu aurais pu prendre du pique, mais tu as préféré prendre du. Je me suis même pas laquelle c'est toi, du carreau. On peut leur demander s'ils veulent changer leur cœur. Vous pouvez changer de carte si au dernier moment. S'ils veulent du cœur à la place de leur Est-ce qu'on arrête là? Ouais. C'est bon? Ou bien. Imaginez toutes les possibilités qu'il peut avoir pour que déjà, moi, je puisse savoir que vous allez me nommer ces cartes. Ça serait quand même fabuleux. Eh bien, je le savais. Parce que sur mon calepin, les trois cartes les plus sorties sont le 6 de trèfle, le 8 de carreau et le 10 de pique. Bon, j'ai pas le calepin pour vous le montrer. Mais croyez-moi, c'est réellement vrai. Wow. Voilà. Bravo. Quoi?
C'est fini, on s'en va. Ah. Non, mais parce que c'est vrai que, je veux dire, si tu m'avais dit, par exemple, dame de carreau, ça aurait été le 13. Si tu m'avais dit le 5 de carreau, ça aurait été le 5. Si tu m'avais dit le 7 de carreau, à une près, ça aurait été le 17. Mais tu m'as dit le 8 de carreau. Et ce qui est fou, c'est que le 8 de carreau a le chiffre 42. Oui, parce que ce que je ne vous avais pas dit, c'est que j'ai complètement mis les nombres totalement aléatoirement sur les cartes. J'ai pas pris l'as de pique et j'ai mis le 1, le 2 de pique, le 2, ainsi de suite. Ça aurait pu le faire, mais j'ai mis ça aléatoirement. Si on regarde le 6 de trèfle, on a le nombre numéro 8. Et si on regarde le 10 de pique, on a le nombre numéro 15. Bien vu. 8, 15, 42. Eh bien, je le savais. Parce que je sais que vous ne me croyez pas que sur le calepin que j'avais noté ça. Mais en fait, j'étais tellement sûr de moi. Et comme j'ai pas eu le temps d'apporter le calepin, je l'ai vite noté sur mon jeu de cartes. Que je savais que les cartes qui allaient sortir étaient le chiffre numéro 15, 8 et 42. Et donc, bien évidemment, je savais que c'était le 10 de pique, le 8 de carreau et le 6 de trèfle. Comment c'est possible tout ça? Voilà, donc ça, c'est pas une trilogie. C'est le tour qui s'appelle Pinacle. En Montborcel. Qui est, je trouve, mais vraiment très très bon comparé à des trilogies. Parce que trilogie, on impose des choses. Et là, Pinacle, on n'impose rien. C'est, je trouve ça fabuleux.